On va passer à la composition des équipes. Comme pour Calais, numéro 1, Romain Boudon. Numéro 2, Jonathan Saint-Maxin. Numéro 3, Clément Lavie. Frédéric Gallard. Numéro 6, Joël Chevin. Numéro 7, Alexandre Bazé. Numéro 8, Anthony Fleury. Numéro 9, Puff Renard. Numéro 2, Jonathan Caillot. Numéro 3, Alain Bouillet. Numéro 4, Aurélien Adam. Numéro 5, ça va passer. Un beau match, j'avais espéré qu'à la mi-temps on fasse 0-0, malheureusement ça fait 2-0 pour Calais et je suis très heureux que notre club de foot ait ses lettres de noblesse aujourd'hui. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors votre première impression sur cette première mi-temps? On était bien en place, on a bien tenu, malheureusement on prend deux buts sur coup de pied arrêté, mais je pense que
Les joueurs sont motivés bien sûr et ont appliqué les consignes, c'est-à-dire de jouer bloc bas, hein, de ne pas se découvrir et puis jouer que les contre-attaques, et ça a vraiment été appliqué. Bon, dommage, c'est deux coups de pied arrêtés que l'on prend un petit peu, je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais je veux dire, dommage, on était bien en place pour tenir le match nul au moins jusque la mi-temps. Bon, je pense que si on a le bonheur de marquer dans le premier quart d'heure, ben, le match n'est pas fini. Hein. Bon, on sent quand même qu'il y a ces 6 divisions d'écart, mais on est bien en place, on a des éléments de qualité et je pense que c'est loin d'être fini en seconde période, on devrait avoir encore un beau petit match. Impression là chaud après ce joli match. On avait un beau match, on avait toute une bonne première période de notre part, parce que la deuxième période je pense qu'on est passé carrément à côté. On a fait une bonne entame de match. Caudry était bien en place, c'était difficile de trouver des espaces. Mais bon, je pense que c'était leur jeu vu le nombre de divisions qu'il y avait d'écart. Donc c'était à nous de faire le jeu, ce qu'on a bien fait, je pense. On termine bien la première mi-temps, on met deux buts, on se met à l'abri, je pense. Par contre, en deuxième mi-temps, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire de notre part. Mais malgré tout, c'était un jeu assez rapide. Ouais, c'était un jeu assez rapide, mais bon, en deuxième mi-temps, on a été beaucoup en difficulté.
On n'a pas vu les divisions d'écart. Même à un certain moment, on peut se demander qui jouait au-dessus. Parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était nous. On a été mis en difficulté. Ils ont joué les coups à fond. Et voilà, on a vu une belle équipe de Caudry en deuxième mi-temps. Par contre, nous, c'est pas l'image qu'on veut montrer de Calais. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, il y a tout à revoir. Et voilà, au moins, c'est bien pour le public. Il y a eu du suspense. Ils sont revenus à 2-1. Et ça a mis un peu de piquant dans le match. Voilà, nous, on va retenir que la qualification. Parce que je pense que pour nous, surtout sur la deuxième mi-temps, comme j'ai dit, il n'y a rien à retenir. On est passé complètement à travers. On s'est pris pour d'autres, je pense. Bah, un peu déçu. Parce que bon, si on serait battu comme en deuxième mi-temps, tout le match, on aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, on perd 2-0. On revient à 2-1. On y croit, on jette toutes nos armes, toutes nos forces dedans. On prend le troisième qui fait mal, donc après... Il y avait quand même malgré tout ce joli pénalty là tout à l'heure. Là. Voilà, c'est ça, ouais. Écoutez, c'est le pénalty, c'est un but. Le pénalty, c'est un but, donc on s'est battu. À force de pousser, on a réussi à obtenir un pénalty. Donc voilà, eux, ils marquent deux buts sur coup de pied arrêté, nous, on en marque un. Et ils mettent le problème dans le jeu. Après, c'est vrai que Calais sont supérieurs à nous, hein. Ça, on savait. Nous, ce qu'on avait peur déjà en premier tout, c'est de prendre une raclée. On voulait pas prendre un score à deux chiffres. Et puis finalement, on perd 3-1. Mais tout l'honneur est ça, finalement. L'honneur est ça. On s'est battu pour tous les gens qui sont venus nous voir. Je trouve ça magnifique. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez amené un beau jour de gloire pour tourner. Disons que dans le Cambrésis, il ne restait plus que Cambrai et nous. Cambrai joue à l'extérieur. Donc je pense que la ferveur du Cambrésis, je pense qu'elle était présente aujourd'hui. Et ça fait du bien de voir que le football a encore de nombreux jours devant eux. Voilà.